Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous proposer un tour de cartes vraiment incroyable. Donc, vous montrez une boîte à votre spectateur et vous dites qu'à l'intérieur, nous avons deux jeux de cartes et des numéros. Donc, nous allons prendre ce jeu de cartes, celui-ci, on va le laisser dans la boîte et nous allons prendre les numéros. Puis, nous allons refermer la boîte, on va laisser le jeu à l'intérieur, personne ne pourra y toucher et on verra ça plus tard, on met la boîte de côté. Ces cartes-là, nous allons les utiliser juste après. Vous demandez au spectateur de prendre le jeu de cartes et de sortir toutes les cartes du jeu. Il peut regarder lui-même que toutes les cartes sont bien différentes et que nous avons affaire à un jeu de 52 cartes. Le magicien reprend les cartes et fait un ruban. Le spectateur dès à présent peut choisir n'importe quelle carte. Le choix est totalement libre. Imaginons que le spectateur choisisse le valet de carreau. Donc il prend le valet de carreau. Nous refermons le jeu ici. Maintenant, nous n'avons plus besoin de ce jeu. Donc nous allons ranger ce jeu dans son étui. Le magicien prend à présent ces cartes-là et va distribuer deux tas. Nous avons deux tas devant nous. Vous demandez au spectateur de choisir un tas. Imaginons qu'il choisit ce tas-là. Nous allons prendre ce tas-là et le mettre de côté. Vous montrez au spectateur qu'il a décidé de garder ces numéros-là. Puis le magicien va séparer à nouveau les cartes en deux tas. Donc comme les deux tas doivent avoir le même nombre de cartes, donc nous allons éliminer cette carte-là, la dernière carte distribuée. Donc il nous reste deux tas de deux cartes. Vous demandez ensuite au spectateur de pousser un des deux paquets vers vous. Donc il va pousser ce tas-là. On va prendre celui-ci, on va le mettre de côté. Et donc il nous reste deux cartes devant nous. On va les regarder. Et on va séparer les cartes ici. Et devant nous, à l'instant, nous venons de former un nombre, 34. Vous demandez ensuite à votre spectateur d'ouvrir la boîte et de prendre lui-même le jeu à l'intérieur. De refermer la boîte. De prendre lui-même les cartes. Et de compter face cachée, face visible jusqu'à 34. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Si c'était le valet de carreau, exactement la carte que vous aviez choisie, ce serait vraiment un miracle. Vous retournez et vous montrez qu'on arrive exactement sur la même carte.